Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de débarrasser tout cet espace ici, puisque demain, un gars de l'entreprise qui va venir pour creuser et pour décaisser donc de 30-35 cm toute cette zone là. Donc je vais débarrasser nos linteaux qui sont ici, les quelques outils qu'on a dans le fond. Comme ça, demain, il aura la place de travailler. Donc en fait, on va décaisser puisque dans cette partie-là, on va venir couler une dalle isolante en chaux chanvre qui va faire à peu près une quinzaine de centimètres. Et donc cette dalle va reposer sur un hérisson en pierre gravier, encore une fois d'une quinzaine de centimètres. Donc étant donné que notre niveau zéro, c'est plus ou moins le seuil de la porte qui est là, on a donc, si vous faites le calcul, ouais, 35 cm à décaisser, puisque même ouais, 35, puisqu'en fait, ensuite, donc on va avoir le hérisson de gravier, la dalle chaux chanvre, une chape, sûrement une chape sèche de 3 cm chaux sable, et nos terres cuites, nos carottes terres cuites qui ont des épaisseurs assez variables, donc ça fait entre 3 et 4 cm, il peut y avoir jusqu'à 1 cm de différence. Et en revanche, donc là où on a la fondation, là où il y a caillou qui est allongé, là on est déjà plus bas. Il faut qu'on vérifie de combien, normalement on est déjà à 30 cm plus bas. J'ai essayé de vous montrer. Donc voilà, ici on a le niveau intérieur de la vieille partie, et là à peu près on a le niveau de la partie béton. Thank you.
Donc, petit update sur le décaissement de la partie ancienne de la maison. Donc, on a notre niveau de référence, c'est le seuil de la porte ici, la porte d'entrée. Et nous, on veut descendre de 35 cm. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, la maison a ses fondations, donc on a pu quand même venir bien à fleur du mur. Pas trop, trop quand même. Par exemple, là, on a. Je vais me mettre contre. Là, on a une pierre qui va pas être. Qui va pas être piquetée. On va quand même pas trop faire vibrer le bas des murs. Et par contre, il y a toute une zone donc au centre où on est tombé sur un gros rocher. Donc ça, par contre, il va falloir, ils sont en train de le faire, ils sont en train de le piquer, de le piqueter, je sais pas comment on dit, de le marteler. Et donc c'est de la pierre qui est quand même assez dure. Cette pierre un peu bleue comme ça là. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est super dur. Ils ont déjà cassé deux pointes. Et voilà, ils sortent quand même des beaux rochers. Donc on est content de ne pas avoir à faire ça à la main. Et on arrive plus ou moins au niveau de la fondation de la partie en béton qui est là-bas. Maintenant que le bas des murs est bien nettoyé, on continue la préparation du hérisson de pierre en prévoyant une sortie d'air pour un drain de ventilation. Nous avions déjà prévu la sortie haute du drain dans l'épisode précédent, ici. On choisit donc de créer la sortie basse en passant sous le seuil de la porte d'entrée, puisque c'est aussi par là que les réseaux d'eau usée sortiront de la maison. Puis on dérape un peu sur le cadre de la porte d'entrée qu'on n'avait pas encore piqueté.
La prochaine étape consiste à étendre un géotextile au sol afin d'empêcher la terre de se mélanger au hérisson. On positionne ensuite le drain de ventilation en le faisant serpenter sur toute la surface de la maison. Il ventilera le hérisson en permanence, limitant les risques d'humidité. Pour les premiers centimètres du hérisson, nous avons choisi de réutiliser les tuiles de notre ancien toit, malgré que la terre cuite soit un matériau poreux et donc propice aux remontées capillaires. Le climat très sec de notre région nous permet de faire cet écart. On les casse en petits morceaux avant de les étaler sur une épaisseur de 6 à 8 cm. Pour la couche supérieure du hérisson, nous nous faisons livrer 10 mètres cubes de gravier lavé, une montagne. Il me faudra 3 jours pour en venir à bout et autant pour m'en remettre.
Pour tout mettre de niveau, on utilise un niveau laser positionné à une hauteur X au-dessus du niveau voulu. On vient ensuite reporter cette mesure sur le manche Narato, ici entre les deux bandes bleues. Si le trait du laser est situé au-dessus de notre marque, alors il manque du gravier. Au contraire, si le trait du laser est au-dessus, alors il faut en enlever. Enfin, l'ultime étape consiste à bien compacter le hérisson pour éviter les déformations de la future dalle de chauchanvre. Pour cela, on loue une plaque vibrante, c'est quand même plus facile qu'à la main. Et voilà, la prochaine étape sera la mise en place des évacuations d'eau usée ainsi que les réseaux électriques et d'eau potable. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt !